Bonjour tout le monde, donc c'est Charpatus. Alors aujourd'hui une petite vidéo tout simplement pour remettre à jour un petit peu celle qu'on avait faite sur la présentation donc du MCM et plus particulièrement donc Champ de Bataille Éternel. Donc voilà, quelques mois plus tard, beaucoup de changements. Donc je vais vous présenter mes deux compères qui vont m'aider à faire cette vidéo. Donc Bartol, donc si tu veux te présenter, Bartol. Bah moi je suis Bartol, je suis l'officier recruteur de la guilde Bane OS. Aujourd'hui je vais essayer d'accompagner Charpatus dans la vidéo. Voilà, et bien entendu, Moïse. Oui, bonjour à tous. Donc Moïse, notre fameux guerrier, c'est lui qui, on va dire, qui impacte, c'est vraiment le pilier, on va dire, quand on fait de l'affrontement en bus contre bus. Donc grosse expérience aussi sur le MCM, et donc je pense qu'il aura pas mal de choses à dire. Donc tout d'abord, eh ben, je vais vous parler un petit peu de peut-être ce qui vous intéresse au niveau des classements et capacités. Donc il y a eu beaucoup de changements. Alors si je me trompe pas, alors le dernier ajout c'est les maîtrises de construction et maîtres de la réparation, il me semble. C'est ça. Voilà, donc ça c'est apparu dans la mise à jour du 9 juillet, je crois, ou celle qui était avant, je sais plus. Je crois bien que c'est celle du 9 juillet. Je suis pas Ouais, totalement sûr, mais je crois que c'est ça là. c'était le 9 juillet. Et donc voilà, donc maintenant bah, on peut réparer. Donc il me semble, j'ai des gens qui me l'ont dit, que si tu mets juste un point dans mettre de la réparation, ça va aller entre 3 et 4 fois plus vite que si tu n'avais pas de points. Sachant que ça coûte uniquement et bah, un point. Et mettre de la construction, exactement pareil. Donc moi là, tu vois, j'avais toujours pas mis de points, mais je vais en mettre un. De toute façon, ça coûte uniquement un level, enfin un point, donc c'est pas grand-chose. Pareil pour les murs, voilà, je vais mettre un petit point aussi. Et donc bah ça, c'est intéressant quand tu fais des sièges, surtout mettre des constructions, parce que mettre de la réparation, à la limite, ça se voit un petit peu moins. Parce que quand tu répares une porte, de toute façon, c'est soit il y a les gens qui sont devant qui vont bien entendu rentrer, parce que généralement quand tu répares la porte, c'est quand même qu'elle est tu vas attendre qu'elle soit low HP pour la remonter, tu voyez ce que je veux dire. Ouais. Du coup, on va dire que mettre de la réparation, les trucs intéressants à réparer, au final, les ennemis sont déjà en retraite, on va dire. Donc dans tous les cas, c'est pas si important que ça. Alors que maître de construction, bah, quand tu fais un siège et que tu dois aller très très vite, par exemple un siège kata ou même au bélier, tu sais, que les ennemis sont pas encore dans la tour, je trouve que c'est très intéressant de build très très vite. D'ailleurs, je pense qu'on tous les soirs on a l'occasion de le voir et de le revoir, l'importance de construire très très vite les engins de siège. Bah, Donc. ça se voit surtout quand on voit que des fois on rate un siège à quelques secondes près, et ces secondes maintenant on peut les gagner grâce à ces ajouts. Ouais, exactement. Moïse, est-ce que tu avais un petit truc à dire au sujet de ces deux nouvelles maîtrises? Non, je pense qu'on a tout dit là-dessus, hein. Donc Ok. on voit bien que c'est la construction qui est vraiment importante pour Instant Blind. Ouais, et d'ailleurs, on peut voir que ces petits malins Tcharé, Annette, et ben, mettre des constructions, ça coûte, si vous voulez, hop, au maximum, ça va coûter. Alors. 29, mais comme j'avais déjà mis 4 points, et ben 33 points. Alors que mettre de la réparation n'en coûte que 22 pour maximiser au fond le panneau de construction. Donc voilà, on voit bien que mettre des constructions est un peu plus important. Enfin bon, voilà, ça c'est un petit tips qu'on vous donne. Sinon, toujours dans l'onglet classement et capacité, bah, il y a eu d'autres ajouts aussi, donc qui ont eu lieu quelques patchs avant donc ce dernier patch. Il y a eu, si je me semble bien, maîtrise du mortier n'était pas là au tout début de classement et capacité. Tout à fait. C'est ça. Ce Ouais. sont les ajouts, c'est maîtrise du canon, maîtrise de l'huile et maîtrise du mortier, plus ceux qu'on vient de citer auparavant. Voilà. Et le seul nerf qu'il y a eu, je crois, pour le moment, c'était sur la maîtrise du chariot à flèches, puisqu'ils ont nerfé la portée de ce dernier. C'est ça.
Voilà, donc quel était votre ressenti, vous, sur le patch quand les chariots à flèches ont été up? Bah, personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment un gros abus parce qu'avec trois chariots à flèches, même pas supérieurs, on pouvait souvent empêcher un bus de passer. Je trouvais que le nerf, c'était vraiment. Il avait été bien fait parce qu'on gardait les dégâts, mais la portée était réduite. Alors, ouais, on garde les dégâts, c'est vrai. Les dégâts sont toujours les mêmes. Et c'est vrai que ce que je trouvais un peu ahurissant, moi, c'est que quand t'as siégé, on va dire, une tour avec des catapultes, que t'avais beau les mettre, on va dire, quasi proche, à la limite, on va dire, quand tu tires à fond pour toucher le mur, en fait, et ben le chariot à flèche, si tu te démerdais bien, il arrivait à te bombarder tes catapultes aussi, quoi. Et ça, c'est vrai que c'était, je trouvais ça un petit peu dommage. Cet aspect, tu mets des sièges avec des catapultes, des trèbles. Alors bon, bien sûr, le trèble, si tu le plaçais vraiment super loin, il y avait pas de souci de ce côté-là. Mais c'est vrai que pour les catas, c'était un petit peu hallucinant. De même que sur BP, par exemple, les trébuchets que tu mettais, tu sais, en haut du seigneur sur les plateformes. Et si tu les collais à la rambarde, eh ben, tu mettais un chariot à flèches à côté des murs P1. Et t'arrivais à bombarder les trébuchets comme ça, alors que t'étais à l'extérieur de BP, quoi, de Brumepierre. Et donc, ça c'était bah, avant le nerf de la portée, et ils ont bien fait de vite fait rectifier ça, parce que ça devenait quand même n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Et sinon, bah, quelques ajouts enfin, donc qui avaient eu lieu par contre bien avant, mais ça a été quand même ajouté par rapport à l'ancienne vidéo, c'est que les tueurs à garde. Et défense contre les gardes, et ben maintenant ça a doublé. Avant on pouvait mettre que 5 points, il me semble, et maintenant on peut en mettre jusqu'à 10 points. Et donc si vous voulez faire l'upgrade en entier, ben ça va vous coûter 115 points. Donc dans les deux, soit 230 points si vous voulez maximiser donc ces deux attributs. Donc voilà. Après, ben sinon, moi vous pouvez voir, j'ai maxé ben, puissance de siège, maîtrise de la balise, chariot à flèche. Et là, je suis en train de up capacité de ravitaillement maintenant parce que c'est vrai que je me suis rendu compte, j'aurais peut-être pas dû le up en premier, mais c'est quand même important d'avoir quelques points dedans parce que 2-3 points de ravit en plus sur chaque personne, et bah dans un bus, ça va faire beaucoup plus d'engins de siège qui vont pouvoir se build et donc c'est très intéressant. Et toi, par exemple, Moïse, dans quoi t'as placé tes points là pour l'instant? Pour l'instant, j'ai mis tout dans le chariot à flèche. Tout dans le chariot à flèches, d'accord. Et t'as t'es niveau combien toi, MCM? Là, je suis que 64. D'accord, oui, c'est vrai, parce que toi tu joues avec d'autres persos aussi, donc du coup, Tout à fait. ouais, voilà, les levels ne montent pas aussi vite. Alors c'est vrai que, et ben, on va en reparler. Et toi, Bartol, donc tu as mis dans quoi tes points? Alors moi j'ai mis le premier de maîtrise de la baliste pour débloquer le tir dispersif que je trouve assez utile dans les couloirs. Oui. Sinon c'est dans chariot à flèche et défense contre les gardes. Défense contre les gardes, d'accord. Donc c'est vrai que comme toi tu as un cac, donc pareil pour Moïse, c'est vrai que les défenses contre les gardes pour prendre moins de dégâts, surtout quand on rush dans le paquet, c'est vrai que c'est quand même intéressant pour les classes bien sûr dites cac. Donc ok, et par contre tu es level combien alors toi MCM? Ah, moi je suis que K47 car comme Moïse joue avec d'autres persos, ils sont tous à peu près level 10-15 mais celui-là c'est le plus haut 47. D'accord. Ok. Donc voilà, donc ça c'était vraiment pour la partie classement capacité, donc les changements qu'il y a eu et les petits ajouts. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va parler au niveau des gains, parce qu'il y a eu pas mal de changements aussi depuis avant. Donc ce qui n'a pas changé, c'est toujours quand vous allez tuer un joueur, vous allez toujours gagner entre 0 jusqu'à 60 points, bien sûr, sans le buff d'infériorité. Parce qu'avec le buff d'infériorité, je crois que vous avez un bonus de 30%. Ouais, on peut monter jusqu'à 66 points avec le buff d'infériorité. Ouais, voilà. Donc c'est pas 30%, c'est 10% alors. Puisque 60 et si tu ajoutes 10%, ça fait 66. Ouais, c'est Ok. ça. Donc il y a eu un truc qui m'a choqué, moi par contre, c'est pour les Doliaques. Eh bien, donc ça c'est un truc qui a été rectifié, je crois, il y a deux mises à jour en arrière. C'est qu'avant, eh ben, le petit Doliaque, quand tu le tuais, il te donnait 38 World Experience, il me semble.
Alors que maintenant, eh ben, ça a été nerfé, il t'en donne plus que 19. Donc ça, je pense, c'est parce qu'il y avait beaucoup de petits malins qui s'amusaient à farmer les doliacs. Alors là, ça peut être un débat, parce qu'il me semble que quand même, faire la chasse aux doliacs, eh ben, c'est quand même assez important, puisque, ok, tu vas peut-être pas prendre le camp de ravide, peut-être que si tu roames à une ou deux personnes, toi, c'est peut-être un peu trop dur pour ce petit groupe de prendre donc un camp de ravite. Par contre, les doliacs, c'est quand même, il faut pas oublier, c'est eux qui amènent le ravitaillement dans les tours, dans les forts, etc. Et donc, ne donner que, on va dire, 19 points d'exp, je trouve ça un petit peu dommage, parce que capturer un point de passage, donc les petites sentinelles, alors je sais pas si on peut les voir là-bas, sur la map, vous voyez, il y en a une là, juste au-dessus, là, sur ma minimap, je viens de mettre le curseur dessus. Et ça, une sentinelle, donc ça donne quand même 38 World Exp, alors qu'un Doliac, pour moi, c'est quand même plus important et ça n'en donne que 19. Alors je sais pas, peut-être vous voulez réagir là-dessus. Bah moi tout comme toi je trouve que c'est un peu dommage parce que ça enlève un peu d'envie aux gens d'aller tuer les doliaques. Alors que comme on sait un bus peut pas aller s'occuper des doliaques. Toujours 2-3 personnes qui font le tour de la map, qui empêchent les doliaques de passer, ça empêche les tours ennemies de se up. Et quand un bus arrive sur devant une forteresse qui sera par exemple T2 au lieu de T3, ça peut facilement faire la différence. Donc je trouve quand même ça un peu dommage de d'avoir baissé à ce point-là. Ouais. Le Et toi, Moïse, tu en penses quoi alors de ce nerf? Il y a tellement de doliacs sur la map qu'on peut. Bah après c'est vrai que sur un camp il faut pas oublier que un doliaque il y en a quand même ils vont toujours par deux. Donc ça fait quand même 38 points, enfin grosso modo, hein, ça va être 30 si bien sûr il y a les deux doliaques, ça va pouvoir vous faire 38 points. Alors que bah avant, comme forcément un doliaque comptait pour 38, vous voyez qu'ils ont quand même divisé par deux en fait. Maintenant, si vous voulez faire, il faut en tuer deux pour pouvoir faire, vous voyez ce que je veux dire? L'équivalent d'un seul doliaque d'avant la mage, quoi. Ils ont quand même nerfé par deux les points reçus, quoi. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, on peut pas non plus faire que tueur de Duolac sur la carte. Oui, on est d'accord. Mais moi, je te parle par rapport au barème et par rapport avant, ils étaient comme ça et une ou deux semaines plus tard, ils t'ont mis un nerf, quoi. Alors que, bon, voilà, moi, je trouve ça un petit peu dommage. Comme je dis, capturer un point de passage, c'est 38. Bah, tu vois, toujours 38. On en revient toujours à ce fameux chiffre. C'est toujours 38 ex-MCM, quoi. Alors que les Doliacs, quand t'es sur un camp, Moïse, déjà, ok, normalement, ils sont à tous les deux. Mais après, suivant la distance, les tours où ils vont ravitailler, enfin, tu vas en avoir. C'est très rare qu'il y ait les deux Doliacs qui attendent sur le camp. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas en choper un, mais c'est quand même relativement rare, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi, de choper les deux à la fois. À part si, bien sûr, on va imaginer, par exemple, vous voyez là sur la carte voleur, imaginez, donc nous on contrôle les deux tours annexes, et là il y a le serveur, donc par exemple les rouges qui viennent nous prendre voleur, là d'accord, forcément ils vont prendre le camp de ravite, et comme les deux tours annexes sont à nous, forcément les Doliacs vont être en stand-by. Et donc quand on ira reprendre, forcément il y aura les deux Doliacs qui seront là. Mais moi je parle surtout, par exemple, qu'on va. Parce que ça c'est un cas à part, mais quand on va attaquer un camp ennemi, et c'est surtout ça qui m'intéresse, forcément c'est quand même rare qu'il y ait les deux Doliacs dans le camp. Et donc tout ça pour seulement 19 exp. Pour le Doliac, et comme je disais, enfin on l'a pas dit, mais le camp de ravitaillement c'est 75 exp MCM. Alors, ça par contre, c'est bien, rien à dire. Attends, 75, c'est pas 150 plutôt. Non, c'est une tour, 150. Le camp de ravitaillement, c'est 75. Ah non, je suis pas d'accord puisque il y a eu un patch, je sais pas si tu sais, mais ils avaient doublé donc les World Experience. Et quand tu prends une tour,
Quand tu prends un camp, je veux dire, maintenant tu gagnes 150 et une tour c'est 300. Hein. Ça, j'en suis persuadé. Hein. Et comme avant, donc par rapport à l'ancienne vidéo qu'on avait faite, c'est vrai que maintenant, la plupart donc des camps que vous allez capturer, que ce soit bah, par exemple BP, maintenant ça va vous donner 750 World Experience. Un château, donc par exemple, comme bah, là, comme on est côté vert, donc c'est Basse-Terre qui est à côté de nous. Donc par exemple, Basse-Terre, ou par rapport aux frontaliers, on peut dire garnison, ou vous voyez, les trucs comme ça. Ça va vous donner 600 World Experience, une tour comme là où on est par exemple sur Aldon, 300 World Experience, donc les camps de ravitaillement, bah, 150. Et voilà, et bah, comme je vous disais là tout à l'heure, je m'étais trompé puisque maintenant, on avait les anciens chiffres sous les yeux, et donc les sentinelles, donc ce n'est plus 38 World Exp, mais bel et bien 75 World Experience. Et ça, je pense que ça a été un bel ajout d'avoir doublé les World Experience en MCM. Parce que c'est vrai qu'avant, eh ben, ça montait quand même pas très vite. Alors nous, on joue quand même beaucoup tous les soirs. On fait des sorties donc 2-3 heures par soir à peu près. Donc à peu près, Moïse, combien de level alors vraiment, tu nous fais vraiment une moyenne. Hein, je veux un chiffre. Qui sort pas de n'importe où, pas ton meilleur chiffre, mais en moyenne, combien tu fais de level MCM par soir, Moïse? Moyenne de 2 levels par Deux soir. levels? Et avant qu'ils aient doublé donc les points gagnés en prenant les objectifs, est-ce que tu faisais bah, combien tu faisais à ce moment-là? Ouais, je vais avoir du mal à arriver à 2. Non, je faisais 1,5, je pense. 1,5, ouais, un petit peu moins quoi. Bon, c'est ce qui est normal. Et toi, Bartol, alors, parce qu'après ça dépend des classes. Toi, Bartol, à peu près en moyenne, tu prends combien? Maintenant, ouais, moi je suis plus avec le double XP, je suis plus à un tour de 1,5, un 3 quarts. Ouais. Et 100, je faisais pas un level par soir, quoi. Parce que vu que je D'accord, parle ok. avec les gens dans le bus, je suis pas tout le temps dans là où il faut avoir le max de points. C'est vrai. Et ben moi, en tant que commandant, donc. Avant qu'ils aient doublé donc les points reçus en World Experience, je faisais à peu près 2 levels par soir, donc sur une moyenne de 3 heures jouées à peu près. Et là maintenant, avec toujours cette même moyenne donc de temps de jeu, je fais à peu près 4 niveaux, 3-4 niveaux quoi. Ça dépend comment ça tourne. Après, par contre, là où je suis déçu, alors peut-être ça va en choquer aussi, c'est qu'ils ont doublé donc tous les points. Les objectifs, et par contre, pour tuer des joueurs, ça par contre, le barème donc n'a pas changé, c'est toujours de 0 à 60 et pas de 0 à 120. Et là, c'est vrai qu'on pourrait aussi se poser la question pourquoi avoir doublé donc tous les objectifs sauf les donc sur les joueurs ennemis que tu as à faire. Est-ce que vous avez une idée? Moi je trouve ça bien personnellement parce que comme on sait en MCM ça va plus être du bus contre bus donc une trentaine de joueurs contre une trentaine de joueurs. Si on pouvait réussir à faire du 120 XP World par joueur, moi je donne un nom maximum, hein, et plus on, ils donneront pas tous 60, mais les levels monteraient juste beaucoup beaucoup trop vite. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un bon argument. Et toi, Moïse, tu pensais à peut-être à quelque chose d'autre? Après, peut-être éviter faire des combats guild contre guild, des gens qui chaîneraient au spawn les pauvres gars qui voudraient sortir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y aurait. C'est vrai que là, en fait, Guild Wars pousse, ils montrent bien avec leur taux de barème. Ils se disent, alors bien sûr, comme disait Bartol, si on donnerait trop de points pour les kills, c'est vrai que ça aurait plus de sens parce que des bus contre bus de 30 contre 30 ou 40 40, on va dire, forcément, tu ferais, bah, t'imagines, si tout le monde donnait 100 points, tu ferais 400 points en une fight. Attends, Non, non, t'en ferais plus plus. 4000, 4000 points, ouais, quasi un level MCM, quoi, c'est que ça, parce qu'il faut quand même 5000. Au-dessus du level 5, il me semble. Alors, je crois Ouais, les c'est ça. premiers niveaux, c'est 1000 points, 500 points. Enfin, Ouais, au-dessus je du suis level encore, c'est 5, 5000. c'est 5000 points d'expem, donc à vie, hein, pour chaque montée de level. Comme vous pouvez voir, là, je suis à 3172 à 5000. Et donc, voilà, c'est vrai que si faire les chain kills, c'est vrai que ça montrait beaucoup trop vite. Et comme disait Moïse aussi, et c'est là-dessus aussi que je vais dans ce sens.
Mais bon, les deux arguments vont l'un et l'autre, hein, ça c'est normal. C'est que voilà, c'est pour éviter les camps, les chain kills, etc. et pousser les joueurs à vraiment jouer les objectifs. Puisque même quand on défend des tours et qu'on ravite ou n'importe quel objectif, et bah, vous gagnez aussi des points. Tandis bah, que quand tu tues un mec, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne après te donnera, bah, au début il va te donner 60, puis 50, enfin c'est dégressif, hein. Jusqu'à ce qu'il déco enfin de pendant quelques heures, même si reco il donnera quand même pas énormément. Et donc ça par contre ouais c'est un point positif. Et là où tu vas être content, bah, c'est quand tu es en soirée, par exemple, parce qu'on sait hein, contre qui on joue les guilds et tout, et quand tu vois que bah tu on va dire que tu te fais un petit peu farmer en début de soirée, c'est un petit peu dur et tout, et qu'après bim t'arrives ton serveur à reprendre l'ascendant sur l'adversaire et que t'arrives à les tuer, bah je vais pas dire c'est le jackpot, mais t'es sûr que tous les mecs sont quand même enfin que c'est sûr qu'ils vont être tous dans les eaux des 60, des 50 world d'expérience à donner, et donc là il y a quand même c'est un peu l'appât du gain, j'ai envie de dire, et donc c'est quand même assez intéressant. Alors bien sûr il y a toujours le karma, alors ça je sais pas s'il y a eu un changement. Mais bon, c'est pas non plus. Enfin, si, c'est quand même important, mais par rapport à l'ancienne vidéo, je ne crois pas qu'ils avaient. Je ne crois pas que le karma était affecté, ni même les silver, donc les pièces de d'argent, etc. Je crois que c'est toujours le même taux, par contre. Par contre, il me semble qu'ils ont changé pour les. Tu sais, le level de ton level, je parle, hein, et non pas du level MCM. Donc le level de ton personnage, je crois qu'il gagne un petit peu plus maintenant en prenant des objectifs. Alors ça, je peux pas te le confirmer parce que comme tous les level 80, je pense, je regarde plus du tout mon level hein, maintenant. D'accord. Bon Je bah laisse ça sera à passer et je vois vérifier. quand je passe. En tout cas, on peut vous donner un petit barème. C'est que bah par exemple, quand vous allez prendre BP, donc alors à l'heure d'aujourd'hui avec un level 80, bien entendu. Ça va quand même faire 26% donc de votre barre d'XP. Un château, donc le château, c'est par exemple, comme je disais tout à l'heure, ça va être Bastère, Belvédère, etc. Ça vous donne 21% de votre barre d'XP. Une tour, 10%, 10,5% même. Un camp de ravitaillement, à peu près 5%, un petit peu plus. Une sentinelle 2,6% et un doliaque un petit peu plus d'1%. Donc voilà, ça va être donc le barème quand vous allez capturer ou tuer les doliaques. Et par contre, en termes de défense, donc ça on n'en parle pas assez, mais c'est quand même super important. Et bah ça va être quand même pas trop mal, puisque alors si je m'abuse c'est toutes les 2 minutes 50 ou toutes les 3 minutes non qu'on touche quand l'objectif est attaqué. Hein. On reçoit le bonus toutes les 3 minutes, hein, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Voilà, donc par exemple bah, pour une tour, vous voyez, quand vous la capturez c'est 10%, quand vous la défendez c'est 5%, sauf que c'est toutes les 3 minutes, donc plus le siège va durer. Et c'est aussi pour ça que c'est quand même très important de faire une défense, parce que là aussi vous allez toucher quand même pas mal de points. Et donc voilà, c'est à petit peu près. Alors pour les châteaux, par contre, c'est un petit peu moins, puisque pour un château, on va dire c'est 21% en attaque, enfin en capture, alors qu'en défense vous n'allez toucher que 5%, mais c'est déjà pas mal. Et ça c'est pour les barres d'XP. Après bon. En termes de pièces d'argent, c'est vrai que là, par contre, le taux est assez bas comparé à une capture. Ah, quoique, en fait, comparé à une capture, la tour, vous allez gagner à peu près 4 PA, et en défense, donc toutes les 3 minutes, un PA 50, un petit peu moins, mais dans ces eaux-là. Donc je trouve que Arréanet sont pas dégueux, ils poussent quand même les joueurs à défendre des objectifs, et même sont bien récompensés, j'ai envie de dire. Puisque pour une capture, ouais, c'est un petit peu plus du double, mais on n'est pas loin, voilà quoi. Hein. Donc c'est quand même assez important de faire une bonne défense, n'est-ce pas, Moïse? Tout à fait. Voilà. Et sinon, donc il y a un petit truc aussi sympa qu'ils ont ajouté à Arréanet et qui n'existait pas avant. Donc c'est que maintenant déjà, vous avez l'ajout des marchands de lauriers. Dans la zone MCM, et donc avec les insignes d'honneur et des lauriers, vous allez pouvoir acheter bah, des boucles d'oreilles,
tout ce que vous voulez, quoi. Boucles d'oreilles, il y a quoi d'autre? Amulettes, Bah, tous les bijoux. accessoires, voilà, tous les bijoux. Et ça, donc, c'est très bien. Ils ont aussi ajouté le fait de pouvoir acheter donc son stuff level 80 exotique avec des insignes et des PA ou des PO. Je crois les PO, c'est pour la cuirasse, mais sinon, ça vous coûtera que des PA. Et encore, c'est un PO, donc ça va. Plus 200 et quelques insignes par pièce, voire un peu moins selon le type de pièce qu'il vous faut. Donc ça, c'est pas mal aussi. Hein. Je trouve c'est pas mal pour les rerolls. Pour son perso, s'il n'était pas encore full stuff exotique, c'est quand même beaucoup plus simple de se stuff maintenant grâce à ce système qu'avant. Hein. Là-dessus, c'est clair et net. Bah, ça nous évite d'aller faire du PvE surtout. Ah oui, tout à fait. Maintenant, on peut vraiment faire que du MCM et profiter de certains avantages qu'il y avait en PvE et pas forcément qui n'étaient pas encore implantés en MCM. Mais là, ça y est, Areanet. Donc ont implanté les récompenses de laurier avec des insignes en MCM et ça on peut leur dire que merci. Après donc qu'est-ce qu'on peut dire à chaque fois que, bah, que vous allez faire un level MCM donc avec votre World Experience vous allez recevoir un coffre de récompenses avec bah, des pièces, des insignes et après vous avez une chance bah, d'avoir des pièges, des plans d'armes. Des anneaux élevés et même des armes précurseurs. Bon, pour l'instant, j'en ai pas eu. Certains dans ma guilde ont eu des anneaux élevés. Alors, vous, Bartol et Moïse, je sais pas quel a été votre plus gros objet reçu dans un de ces coffres. Moi, c'était un orange. Ouais, c'était un exotique. Un exotique, ouais. Et toi, Moïse? Ouais, c'est pareil, moi. Voilà, bah Exotique. pareil, moi aussi, j'ai déjà reçu un exotique. Bon, malheureusement, c'était pas une arme précurseur, c'était. Mais bon, c'était quand même une arme exotique, donc on ne se plaint pas. Alors, sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme changement en MCM? Donc ça, c'était... On vous a fait le petit topo, on va dire, de la mise à jour du 28 mai, là. Donc ça date, ça commence à dater un petit peu. Après, le 11 juin, on a eu une mise à jour, donc pas trop mal. Pas trop mal, c'est là où justement il y a eu le nerf des chariots, donc ouais, c'est un peu ouin-ouin, surtout ceux qui avaient pris l'habitude de se gaver en défense avec les chariots ou même en attaque. Donc là, il y a eu ce nerf, bon, on en a parlé tout à l'heure, heureusement, hein, j'ai envie de dire. Voilà, il y a eu un petit truc d'ergonomie, on va dire, qu'on pouvait voir le nombre de coffres restants, donc par exemple. Comme il y a eu quelque chose de rétroactif, donc à savoir les coffres, et donc voilà, en fait ce qui s'est passé, hein, et ben, ils vous les donnaient pas d'un coup, par exemple vous étiez par exemple rang 100, 200, et ben, vous aviez 200 coffres en bonus à recevoir, donc moi je sais plus trop combien j'en avais, mais là il m'en reste plus que 51, donc c'est quand même pas mal, ça tend quand même à mon classement MCM 300 en plus pour finir ce bonus. Donc forcément j'étais déjà en R150 un petit peu plus donc voilà. Et ça c'était sympa aussi et tous les jours donc dès que vous allez prendre enfin tous les jours dès que vous allez prendre un level MCM bah, bim vous allez avoir un petit coffre en plus donc deux coffres puisque normalement vous n'avez qu'un seul à chaque montée de level. Et ça donc c'était pas mal ce petit système de coffres. On n'est pas déçu, ça permet d'avoir des petits trucs sympas, hein, comme on disait, des plans, des quelques PA et une petite arme aléatoire. Donc voilà, ça c'était le petit patch du 11. Alors je pense qu'il n'y a pas trop à dire sur ce patch, hein, à part la maîtrise du chariot à flèche, tout le monde attendait ce nerf, je pense. Ouais, justement en parlant de ça, je sais pas si c'est dans cette mise à jour, mais Areanet avait remis tous les compteurs de points à zéro, et ça j'ai trouvé ça vraiment bien parce que tous les Oui. gens qui avaient vraiment investi dans le chariot, Voilà. ça leur a permis d'investir ailleurs en sachant que maintenant c'était nerf. Exactement. Ils avaient mis tout à fait. Donc, tout le monde avait vu ces niveaux MCM. Pas les niveaux n'ont pas changé. Mais au niveau de l'attribution des points, il y a eu un reset. Donc, il fallait redispatcher ces points comme vous voulez. Vous étiez libre de les remettre où vous voulez. Et ça. Ça c'était bien parce que ceux qui avaient monté le chariot à flèche et qui après ne voulaient plus forcément puisque Areanet ont bidouillé et donc ont fait un nerf,
En compensation, bah, ils ont remis tout à zéro. Et d'ailleurs, est-ce que maintenant il y a une option pour pouvoir reset à l'HV1? Par exemple, à la boutique OGM, est-ce que c'est possible de réinitialiser ces points? Alors ça, je ne sais pas. Je vais regarder pendant que tu Alors, parles, je vais lire ça. ouais, à mon avis, non, parce que je viens de regarder et j'ai pas vu. Donc, je Moi non pense plus. qu'on ne peut pas réinitialiser. Alors, ce qui nous amène bah, aux pages du 25 juin. Et donc au patch du 25 juin, moi j'ai trouvé un petit truc sympa qu'on attendait depuis longtemps, c'est le fameux pillage en ZE. Alors ça c'est fabuleux parce qu'en MCM quand vous êtes en fight, que ça pleut des sacs, mais partout autour de vous, que vous ne pouvez pas forcément tout ramasser parce que bah, soit vous mourrez avant, ou soit vous en oubliez un ou deux qui traînent derrière, ça arrive souvent hein, malheureusement. Alors maintenant, avec cette option, donc c'est une option, je précise, qu'il faut activer. Donc je vais vous montrer. Vous allez dans Options, et là vous voyez, donc tout en haut, en dessous de couleur d'équipe, vous avez pillé en ZE sur interaction. Bon, butin automatique, mais ça y était déjà. Et donc quand vous cochez cette option, et bah, tous les sacs qui sont autour de vous, alors la zone d'effet est quand même assez large, je l'ai pas en tête, c'est 900, une portée de 900, voilà. Et donc vous cliquez une fois sur votre touche pour ramasser, donc par défaut il me semble que c'est F. Et C'est vous allez ça. Ah, c'est ramasser ça. instantanément donc tous les sacs qui étaient tombés dans cette zone autour de vous quoi. Et ça Ça, c'est c'est quand même génial. ouais voilà, c'est quand même super pratique. Beaucoup de joueurs, je me rappelle, on en parlait déjà il y a des mois, mais alors des mois de ça, pour avoir une implantation enfin, voilà, d'un système qui te permettrait de tout ramasser instantanément. Et là, ils l'ont fait, ils l'ont mis. Et ça, je trouve, c'est bien pensé de leur part. Après, toujours dans ce même patch, donc du 25 juin, il y a eu bah, la maîtrise du mortier qui a été ajoutée, hein, puisqu'avant, bah, il n'y était pas. Donc voilà, des augmentations du rayon d'explosion de toutes les compétences, l'augmentation de la durée du champ de feu, réduction de la recharge sur les compétences de mortier. Augmentation des dégâts sur toutes les compétences de mortier et la nouvelle compétence barrage de mortier. Ça tire une salve qui repousse les ennemis à l'impact. Donc en gros, c'est une incapacité et ça, c'est pas mal. Surtout que la maîtrise du mortier. Donc je sais pas si on en a un là dans cette tour. Je vais regarder. Bah, apparemment non, parce que sinon il devrait être là. Donc le mortier, c'est quand même super important parce qu'avec le mortier, bah, ça permet de tirer de loin si on se fait attaquer. Ça permet de dépop les engins de siège ennemis en cas de siège. Donc c'est super important un mortier. Et donc je suis bien content qu'ils aient mis aussi possibilité bah, d'upgrade cet engin de siège en MCM. Voilà. Et donc on va peut-être en parler maintenant de la dernière mise à jour. Celle donc du 9 juillet. Alors, en MCM, le 9 juillet, qu'est-ce qu'on a eu, mon petit Bartol? Alors attends que je retrouve les mises à jour. Eh ben moi, je vais te le dire. On a eu une mise à jour. Alors, pour moi, là, pareil, il y a débat. Parce que moi, je trouve quand même que c'est pas forcément dans, ça n'a pas forcément dans le sens pour Areanet. Parce que les plans de siège, en fait, ne sont plus liés au compte maintenant. Et peuvent être envoyés donc aux joueurs ou même vendus à l'HV. Ah Vous voyez, oui. c'est bah, voilà, c'est récent, hein, c'est le 9 juillet, donc 2 semaines. Donc voilà, alors que dire? Alors De même, je trouve ça dommage. c'est dommage parce que maintenant c'est vrai que les prix sont complètement cassés là actuellement. Encore Regardez, pour le golem, hein. ouais, alors on va regarder pour le C'est le golem plus flagrant. ou même pour les chariots Ah, ou je les sais qu'un béliers. trébuchet, c'est Parce 2 PA. que donc Golem, regardez un c'était un PO, là, golem. c'est à 12 PA maintenant. Un golem, ouais, 15 PA là, vous voyez, vous pouvez avoir un plan de golem de siège alpha pour 15 PA, alors que vous allez au vendeur, au spawn, au bivouac MCM, il vous le fait pour 100 médailles MCM ou un PO. J'ai envie de dire, allô? De même, hein, pour What the celui qui est fuck? le Omega, qui est la version améliorée, Ouais. c'est que 1 PO15, alors que normalement Voilà, je suis il en faut dessus aussi, 4. hein, et vous pouvez voir un PO15. Un PO15, le plan de golem de siège Omega. Avant ce patch, ça vous aurait coûté à peu 5 près PO. 4-5 PO. Ouais, voilà, 5 PO. Alors que là, pour un PO15, vous l'avez.
J'ai envie de dire, c'est le moment de faire ses courses, les gars. Par exemple, on va voir pour le bélier. Donc ça, je pense que le bélier, ça doit être l'engin de siège le plus utilisé en MCM. Donc un bélier coûte normalement l'équivalent de 6 PA. Vous l'achetez à l'HV, vous en avez un pour 1 PO 50. C'est quand même 5 PA, non, 4 PA 50 d'économie, quoi. C'est alors t'imagines sur 200 sur 250 pleins de béliers l'économie que tu fais, Bartol? Ah oh oui, mais clairement. Après, moi, je sais que j'utilise plus du tout d'argent pour ça, vu que je joue souvent MCM, c'est les insignes. Mais Oui. pour les joueurs qui arrivent, bon, en soi, c'est plutôt pas mal, parce que pour les nouveaux joueurs qui arrivent, ça leur permet de se faire un petit stock à moindre coût. Ça, faut y penser aussi. Tout à fait, ça permet. C'est vrai de pouvoir que les nouveaux arrivants ne soient pas, on va dire, surpris par le coût coûte le MCM, surtout les engins de siège. C'est vrai que quand même, il fallait quand même avoir pas mal d'économies ou alors jouer vraiment beaucoup parce que mine de rien, les insignes d'honneur, en moyenne, vous en faites combien? Tiens, Bartol Moïse, quand on fait une petite soirée sortie guild de 3 heures par soir, quelle est votre moyenne d'un signe d'honneur. Moi, je dois tourner aux environs de 40-50. Et toi, Ouais, ça doit être Moïse? à peu près À pareil, peu près hein. pareil. Ouais, moi j'en fais quand même un petit peu plus, mais bon, après, moi je suis quand même un range et vous êtes quand même des cacs. Alors, je conçois que peut-être je drop un peu plus que vous, même si, attention, je pense que c'est quand même parce que vous êtes sacrément mauvais, hein, les gars. Hein. Ah non, ça c'est pour Ça doit 5. être ça. Tir Ça de doit être ça, barrage, hein, parce que tir de moi je fais quand barrage. même entre 100, 150 insignes par soir, hein, à peu Tir près. de barrage, je n'ai que ça à dire. Et oui, et moi j'ai envie de dire charge du taureau, frénésie sans lame, ça Mais doit toi, tu looter peux. aussi, hein. Oui, ça loot. Mais c'est pas l'aspect la plus viable hein, pour le Oui, MCM. non mais je sais, de toute façon on n'est pas là pour débattre des classes, mais pour parler objectivement donc du MCM. Voilà, donc le MCM, sinon la carte en elle-même n'a pas changé, hein. Vous pouvez voir, il y a toujours donc les trois camps, toujours BP pour champ de bataille éternel au milieu, puisque aujourd'hui je comptais te parler que du CBE, même si je pense que sur les autres cartes, tout ce qu'on vient de dire, bien forcément ça c'est pareil, hein. Il n'y a pas de changement d'une map à l'autre. Mais comme on joue principalement et uniquement même champ de bataille éternel avec ma guilde, bah, je me consacre uniquement à des tutos sur donc champ de bataille éternel de façon à parler de ce que je connais et pas inventer donc d'autres trucs. Alors qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme changement sur ce patch? Parce qu'il n'y a pas eu que ça. C'est là où il y a aussi eu les maîtrises de construction et de réparation. Ça, je tenais à le dire. Et voilà, donc c'était à peu près tout. Sinon, on a oublié de parler, vous savez, des nouveaux plans, les pièges, là, tu sais, et ça, on l'avait pas dit. Hein. Ouais. Et ça, donc, qu'est-ce qu'il faut pour acheter un plan? Alors déjà, les plans, il y en a combien? Je crois qu'il y en a deux ou trois différents. Il y en Il y a en a deux. deux. Je Voilà. les ai sur moi, je peux vous Donc, dire les et ben voilà, descriptions. bah, linke-les-moi, comme ça. Alors, parce que moi, j'en ai deux sur moi. J'ai donc le piège qui va le suppresseur de ravitaillement. Donc ça, vous posez donc un piège. Bah, il faut bien le placer. Donc soit devant une de vos tours. Vous voyez quand les gens sont prêts à poser les béliers, à les construire. Vous posez le petit suppresseur de ravitaillement et tous les gens donc qui vont arriver dans votre zone d'effet, bah, vont perdre le ravitaillement. Donc 10 de ravit. Non, attends, ils perdent la moitié de leur ravitaillement ou ils perdent de tout? Ouais, Attends, je 5 regarde. unités de ravitaillement. Donc C'est énorme quand voilà, même. 5, bah surtout si t'es pas full, que t'as pas 10 de ravitaillement sur toi, déjà t'es sacrément dans la merde, il t'en reste plus beaucoup, hein. Mais bon. Non, mais surtout si, par exemple, là, sur toute une longueur qui arrive à Aldon, on en place un peu partout, on a Ouais. largement d'amener le bus à zéro ravit, il se retrouve avec rien du tout pour build devant la porte. Voilà, exactement. Et aussi, donc un piège intéressant, c'est le perturbateur de furtivité. Donc beaucoup de gens se plaignaient justement que les bus arrivent en fufu, qu'on les voyait pas venir, qu'on se fait tous wipe, etc. Bon, il y a eu tellement de ouin-ouin sur ce sujet à cause des lags au début, le clipping, etc. Et ben maintenant, il y a ça, il y a le perturbateur de furtivité. Donc quand vous attaquez une tour, l'idéal, c'est de placer des pièges autour de la tour. À droite, à gauche, derrière vous, bon, selon le placement de la tour que vous attaquez.
De façon à ce que si un bus arrive en fufu, et bah bim, vous les voyez là, vous êtes sûr, voilà, vous dites ah, ils passent fufu, bah c'est pas grave, j'ai mon piège, je sais qu'ils arrivent, je les vois foncer sur moi, bim, vous avez le temps de réagir. Et ça, c'est quand même pas mal d'y avoir pensé, parce qu'en fait, quand on y repense bien, il n'y a aucun spell, il n'y a rien du tout qui permet d'enlever le fufu à une cible, hein. Je crois que la dernière compétence qu'on acquiert avec le chariot à flèches le permet, Oui, mais... voilà, mais ça, attention. Moi, je parle sur les skills des joueurs, parce que ça, après, oui, le chariot à flèches, la dernière compétence permet de dévoiler la furtivité, on est d'accord. Mais il me semble, sinon, à part le piège et donc les chariots à flèches, il n'y a rien qui permet de voir les fufus, hein. Non, il n'y a rien. Donc voilà, donc c'est vraiment très très important, ça, ces deux petits pièges, et donc ça coûte. Donc 10 de ravitaillement pour les déployer, donc faut que vous soyez full. Si vous n'avez pas de points ou pas de bonus, donc faut vraiment avoir 10 de ravit pour le poser. Et voilà. Sinon ça ne coûte rien d'autre. Et donc en achat, alors il me semble ça coûte quelques insignes et puis un petit peu de PA, mais bon c'est pas très. Ça C'est va pas pas vous énorme. ruiner, hein, vous inquiétez pas. Et par contre, bah, contrairement au bélier et compagnie, ça il me semble que c'est lié au compte, hein, vous pouvez voir lié au compte. Et donc, à l'avenir, je pense qu'Arianet devrait, bah, comme pour les engins de siège, le faire passer au comptoir aussi, parce que bah, il n'y a pas de raison. Hein. Si on peut acheter un golem Oméga pour un PO 50, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas acheter des suppresseurs de ravitaillement ou des perturbateurs de furtivité également à l'HV. Après, ça, c'est mon point de vue. Mais je pense que on pourra bientôt les acheter à l'HV également. Surtout qu'ils sont pas encore assez utilisés à mon goût. Ouais. Les pièges, c'est encore assez rare d'en voir des alliés sur la zone ou même des ennemis devant les forteresses. Ouais, c'est vrai. Alors, bah écoutez, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Alors peut-être je vais vous laisser le mot de la fin. Par exemple, Bar Après, je Moïse. sais pas si on a parlé qu'on peut en drop aussi les plans sur les mobs. Les plans sur les mobs. Bah, de plans de bélier et autres. Ah oui, mais ça déjà. Sur les. Enfin, ça, on a toujours pu les dropper sur. Là, on parle vraiment des nouveautés, Moïse. Parce que les plans et les insignes sur les n'importe quel mob en MCM, vous avez une chance de les dropper. Ça a toujours été, Moïse. Bah moi pour le mot de la fin, je suis quand même content de ce qu'a fait Aranet dernièrement. Je trouve que le MCM qui au début du jeu était vraiment mis de côté, est en train de redevenir un peu sur le devant de la scène. Et c'est vraiment sympa pour la communauté MCM qui se trouvait quand même un peu délaissée au début du jeu, au profit de la côté de celle qui était plus PvE et celle qui était plus SPVP. Voilà, donc c'est vrai, il y a eu des bonnes évolutions en MCM ces derniers mois en MCM. Et bah, on espère tout simplement qu'Arianet va continuer dans cette voie en nous faisant toujours des bons patchs, puisque là maintenant, apparemment, ils font des patchs toutes les 2 semaines, hein, ils ont annoncé. Donc bah, j'espère qu'ils vont continuer comme ça. Et puis, s'il pouvait y avoir encore plus de bonnes surprises dans les futurs patchs en MCM, bah, ça ne pourrait être que bien. Voilà. Voilà. Allez, on vous dit à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à notre Facebook. Allez, au revoir les gens!